Chers membres de Citavernier Mété-Comté, bonjour. Alors, je me trouve actuellement sur la place de la mairie de l'hôtel de ville, anciennement appelée place de la Libération ou place Charles de Gaulle. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de ce bâtiment public qui fut la première mairie de Taverny jusqu'en 1948. Alors, rue de Paris se succèdent trois mairies. La première, dont je vais vous révéler les secrets d'histoire, mais également l'actuelle mairie est juste en amont de la rue de Paris, cette première mairie de Taverny qui fut appelée Justice de Paix. C'est en 1855 qu'Auguste Godard, maire de Taverny et père du non moins célèbre virtuose Benjamin Godard et de sa sœur Madeleine, fit l'acquisition pour la somme de 14 000 francs de cette maison qui était la propriété de M. Duplessis, marchand en vin et tenant en bal, c'est-à-dire actuellement, on dirait, un cabaret. C'est Napoléon III qui signa le décret d'acquisition par la commune de ce bâtiment qui devint donc la mairie, signature en 1856. En 1857, la mairie abrita la première école des garçons jusqu'en 1903, puis de 1903 à 1911, l'école des filles. Juste à côté, non loin de là, en face, au niveau de la sécurité sociale, se tenait la première école maternelle. Ce bâtiment arrêta ses fonctions de mairie en 1948, juste après la libération, après la Seconde Guerre mondiale, puisque les locaux de la mairie furent déplacés dans les bâtiments de la justice de paix qui venaient d'être créés. Dans ce bâtiment, nous trouvions donc le bureau d'humeur, mais également deux salles, la salle du bal et la salle des mariages, où furent célébrés de nombreux mariages à Taverny. Je voudrais revenir sur les propos de Pierre Fournier, un tabernacien, qui relate l'histoire de cette mairie dans le livre intitulé « Taverny au XXe siècle, témoignages de tabernacien ». La mairie actuelle de Taverny, le nouvel hôtel de ville, est pour moi la troisième mairie que j'ai connue. Jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la mairie était dans l'édifice qui se trouve actuellement la poste dite de l'hôtel de ville sur la place Charles de Gaulle, que l'on appelait alors simplement la place de la mairie et qui s'est appelée aussi la place de la Libération. Sur cette place avaient lieu des fêtes telles que le 14 juillet. Alors, les pompiers effectuaient des démonstrations sur le portique à grand renfort de feux de Bengale imitant un incendie. À la nuit tombante, c'était un spectacle apprécié. Les pompiers descendaient un mannequin simulant le sauvetage du sinistré. On vit aussi sur cette place l'exposition agricole de 1936 et même un spectacle de troupes de cosaques qui évoluaient au galop de leurs chevaux en poussant des cris épouvantables à la grande joie des enfants que nous étions alors. La mairie avait un petit bureau donnant sur la rue de la mairie, actuelle rue Jean Jaurès. Il y avait une porte centrale, aujourd'hui murée sur la façade, et de part et d'autre, la salle du conseil à gauche et la salle des mariages à droite. J'ai le souvenir d'y avoir vu le maire Henri Lema et surtout cette mairie évoque pour moi le souvenir de mon grand-père Alphonse Bellamy qui fut longtemps conseiller municipal ou adjoint au maire. L'enfant que j'étais devait souvent assister à des fêtes ou manifestations où mes grands-parents figuraient. J'étais très attentif à la vie municipale que mon grand-père m'expliquait, répondant à mes questions et soucieux qu'il était de l'éducation civique de son petit-fils.
Taverny n'était alors qu'un petit bourg, 5550 habitants au recensement de 1936. Il n'y avait que 4 adjoints, dont mon grand-père était le quatrième, car son travail à Paris l'empêchait de participer pleinement. On venait tout juste de passer d'une à deux secrétaires de mairie et il y avait 2 gardes champêtres. Autant que je m'en souvienne, l'effectif du personnel communal se réduisait à ces quelques personnes. Voilà, cette mairie, donc la première mairie de Taverny, qui fut acquise par Auguste Godard, le père de Benjamin Godard, pour la somme de 14 000 francs, et qui fut jusqu'en 1948 le siège de la première mairie tabernacienne. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Si Taverny m'était compté. Alors, nous reviendrons sur la première institution, école, les établissements Poirier au tout début de la rue de Paris. À très vite pour un prochain rendez-vous avec notre patrimoine d'histoire, Tabernacien.